Yon l'autre fois, go bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Mediana là, depuis Mombad de Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager, intéressé ou pas oublier abonner avec Mombad Mediana et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie équipe notification Mombad Mediana là. Bien, nous va pas perdre de temps. N'a pas commencé. Cool, yeah. Qui pique au point d'abdominal actualité dans le journal là? Juge Renaud Régis, qui est juge instructeur, qui a enquêté sur le dossier assassinat qui est fait sous maître Montferré d'Oval, en date 28 août 2020, la Cali dans Pèlerin 5, tout bécaille président de la République, dans Jovenel Moïse. Juge Renaud Régis, remettre, by direction logistique, police nationale là, ZAM, qui t'est nommé pour sécurité, après que direction logistique, police nationale, pays d'Haïti, t'est exigé, le juge instructeur, pour remettre PNH, ZAM, j'en demandé ça, et l'écrit en lettre, by CSPJ, pour informer de situation ça. Après direction logistique police nationale là, fin des amis agents sécurité juge instructeur Renaud Rogitio, décision ça a été prend sous l'ordre directeur général PNH là, Léon Charles, d'après responsable ANAMA, qui est l'association nationale magistrat haïtien yo, qui dénonçait décision direction logistique là. Conseil d'avocat pour nos pressions, beaucoup de personnes ont protesté contre deux armements. Agent sécurité jugé dans le registre. Maître Besson Pierre lui exprimait tête chargée au gagné face à décision, ça qui sortit beaucoup côté police nationale. Pour battre l'autre avocat, on a un naïve. Maître Jacques Saint-Jacques, décision ça. Décision responsable logistique PNH apprend pour retirer les armes dans mes agents de sécurité dans le registre. Si on bagaille, il n'y a pas fini de comprendre du tout. Alors que le juge a mené enquête sur dossier important pour faire avancer le système judiciaire dans le pays d'Haïti, particulièrement sous assassinat maître Montferré d'Oval. Responsable de la Mounio dans la ville de Gonaïve, maître Michel Dorgile, fait qu'on ait décision, ça, que direction logistique prend pour être exam, non, mais agent sécurité, juge dans le registre, qui a enquête sur dossier, assassinat, maître Montferré d'Oval, là, pas à doué, inquiéter en quel monde, là, considérer le comportement que l'État haïtien gagne dans le dossier, ça, et c'est une façon pour intimider, juge là, sous enquête, l'affaire. Pour vous parler, maître André Michel fait qu'on est, décision ça, qui prend là, pour retirer les armes, non, non, mais agent de sécurité, juge dans le registre, avec le commissaire gouvernement de président, maître Bedford Claude, qui refuse d'exécuter ordonnance, juge là, confirmé à clair que l'assassinat, maître Montferré d'Oval, là, gagne un caractère politique là-dedans. Dossier inondation dans Balatibonite, particulièrement dans la ville de Saint-Marc, grand pile jardin qui ravagé à cas écrasé dans le dimanche pour l'ouvrir lundi 21 février 2021 à cause gros vent à la pluie qui est tombé sous cité Nissa et Sagéa dans la ville de Saint-Marc. Dossier insécurité, bandit Axam, vous continuez à affronter dans Martissan à Fontamara, côté qui a plus passé 4 personnes qui perdent la vie, là-dedans, il y a 2 bandits, Grand Ravine, eux-mêmes, qui mourent dans cette bataille qu'a faite pour contrôler le territoire Fontamara avec Martissan. Dossier de sécurité toujours, responsable d'Ado Amounio, dans la ville de Gonaïve, maître Michel Dongil fait qu'on est, déclaration président de la République, dans le journal Moïse, fait dimanche passé, hein, pas changer un yen dans l'augmentation phénomène insécurité dans le pays d'Haïti. Maître Michel Dongil déclaré, c'est délinquant, qu'a fait et défait un pays, hein, côté attaqué bien à la population, hein, sans qu'elle saute. Point ça, yo, avec divers slots, pour faire essentiel journal Levé Campé, pour journée mardi 22 juin 2021. Avec dossier justice, on a démarré journal là, jeudi, hein, pour nous juger dans le registre, qui c'est juge instructeur, qui a enquêté sur dossier assassinat qui fait soumettre Montferré d'Oval en date 28 août 2020, la Cali dans Pèlerin 5, tout près, car le président de la République, là, Jovenel Moïse, direction logistique, police nationale, pays d'Haïti, a exigé, juge instructeur, hein, pour remettre à police nationale, pays d'Haïti, ZAM, qui était à disposition pour garantir sécurité, pendant enquête, là. Juge instructeur, dans le registre, dans une lettre adressée par le Conseil supérieur pour pouvoir judiciaire, informé CSPJ qu'elle remette ZAM qui était à disposition, là, par direction logistique, là, Jean Limandil, ça. Juge dans le registre, c'est un juge qui a enquêté sur plusieurs dossiers sensibles en d'un pays, hein, parmi eux, les assassinats qui étaient faits sous ancien bâtonnier, Port-au-Prince, maître Montferré d'Oval. Sur le César, juge registre, dans une ordonnance, littéralement, dans le mois passé, le commissaire gouvernement, Port-au-Prince, maître Bedford Claude,
pour inviter 8 personnes pour venir répondre à la question de la justice nous assassinait ça. Pour Madame de la République, Madame chef de l'État paysan, Madame Martine Moïse, comme moun qui suspecte dans la mort de Maître Dorval. Président de la République, Jovenel Moïse, dans environ l'état fait dans divers médias dans la capitale paysan par le presse, déclaré Maître Dorval mourit assassiné à 17h13, alors que à 17h15, Madame Litegetan a montré la vidéo assassinat qui est faite sous ancien bâtonnier Dorval. Chef paquet par le presse, jusqu'à présent, pour qu'on invite en quel monde parmi 8 monde que juge ou un enregistre aptan pour venir répondre à question sous dossier Maître Dorval. Je dis, c'est PNH, lui-même qui passait à l'offensive, qu'on juge ou un enregistre, l'a décidé de retirer les armes qui étaient affectées à un juge instructeur. Donc, juge ou un enregistre, qui a enquêté sur plusieurs dossiers pour faire avancer le système judiciaire dans le pays d'Haïti, là, qui a débrouillé sans sécurité dans la nature, dans un pays qui a des gangs armés, dont est un coup de jonjon dans tout racoin dans le pays. Alors que depuis le commencement du mois de juin, bandits ont passé en vitesse supérieure, ils ont tué, crassé, brisé, tué plusieurs policiers, mais des tifés sur eux, crassé commissariat dans toute zone, en bas la ville, Port-au-Prince, tant qu'on a du vivier, Drouillard, Cité Soleil, station Gaz, station de Salines, station Gonaïve, Portail, Saint-Joseph, Sainte-Bernadette, bandits examen crassé, brisé tout, piqué tifé, terrorisé population, dans Fontamara, Matissan, Bel Air, ensemble avec, dans zone Delma. Plusieurs business sur route aéroport à en bas la ville, pat et panier, en bas main, bandits dans la capitale paysan Port-au-Prince. C'est dans ces circonstances-là, la police retire les armes qui étaient servies pour sécurité, juge dans le registre, qui a enquêté sur divers dossiers sensibles d'un pays, parmi eux, dossier Maître Monfrey Dorval, qui c'est ancien bâtonnier, l'autre avocat dans Port-au-Prince. Sous même dossier ça, après direction logistique PNH là, fini fait des amis agents sécurité, juge instruction, Renan Registran, décision ça a été prise sous l'ordre directeur général PNH là, Léon Charles, de l'association nationale magistrat haïtien yo, Adama, qui dénonce décision ça, il dit, qui représentait une menace pour juge Renan Registran avec toute famille, et puis, dans ce sens, Adama, quoi que son mesure capable de viser, intimider magistrat Renan Registran, qui fait, il prend décision ça. Maître Jean-Wilner Morin a parlé. Qui peut me faire un rappel pour vous tout de suite que pendant que le magistrat est fait héritier de dossier, l'a monté bourdon, alors que des gens croisés pendant l'immeuble de la Kaili ont cassé les pare-brises de sa voiture alors qu'il se trouvait à l'intérieur du véhicule avec des enfants. Ensuite, à la fin de l'année, magistrat joignent un appel qui dit il y a des gens qui s'y a informé de l'adresse lui en pleine nuit, minuit presque, alors que magistrat est bien obligé de fuir la Kaili pour le mettre dans un endroit sûr et pour protéger et sa vie et celle de sa famille, ses enfants en particulier. Donc, nous trouvons que magistrat, lui-même tous les invités des autorités, des anciennes autorités, ils ont toujours joindre un artifice pour ne pas venir et serait correct qui décidait pas exécuter les ordres du magistrat invitant certaines personnes à se présenter en instruction pour le pétendéo dans le cadre de l'instruction de cette affaire. Donc, tout près, nous verrons que les agents de sécurité du magistrat sont désarmés et c'est pas seul magistrat lui-même qui bénéficiait de cette de la police nationale. Dans ensemble d'autres entités dans l'État que l'exécutif. Le dernier en date, nous voyons que c'est le commissaire du gouvernement, malgré la possibilité que dans le Parlement ou bien dans d'autres institutions autonomes, voilà que c'est magistrat Renaud-Régis. Seulement qu'il est désarmé, cela montre nous très clairement qu'il y a un bagage qui a réglé avec le magistrat et on voulait montrer le magistrat que l'on a pour ne pas continuer à faire ici, pour ne pas continuer avec le monde et dénoncer cette façon de faire parce qu'un juge ne peut pas être intimidé dans son travail, un juge ne doit pas être menacé dans son travail, il faut que le juge lui gagne toute l'attitude nécessaire sans peur. Nous autres au niveau de l'Association nationale magistrat haïtien, nous sommes solidaires aux magistrats. Il ne faut pas oublier que c'est le président de l'ANAMA. Ensuite, nous guettons et fait en sorte que l'Union internationale des magistrats touche de la question des supports libanais pour la protection de la vie du magistrat
Régis Renoir. On a mal comprendre et puis c'est tout de suite après le refus du commissaire du gouvernement d'exécuter ses ordonnances et puis il a décidé de désarmer magistrats et ses agents de sécurité. Cela nous porte à croire que y a une liaison entre l'acte posé par la police nationale d'Haïti et le dossier Dorval que le magistrat est en train de traiter pour le compte de la République. Vous écoutez, maître Jean-William Morin pour Anama, conseil d'avocat pour l'oppression, qui dit au protester contre désarmement agent sécurité juge Renaud Augustin. Maître Benson de Pierre, lui, exprimé tête chargée de décision ça, posé question sous motivation PNH là, secrétaire général Barodot, avocat pour l'oppression, maître Benson de Pierre, lui, promettre qu'il y a action qu'il prend pour contrecarrer décision ça, prend contre juge instructeur, maître Benson de Pierre, lui. C'est sur les réseaux sociaux qui n'a pas de ça qui dérange nous, bien que nous conseillons officiellement par les soulignes, mais nous parlons, nous partageons notre langue, mais nous faisons ce qui compte, c'est difficile à traiter, mais nous n'avons pas d'autre choix, puisque le gouvernement, c'est comme ça, a choisi pour le faire à travers la police nationale, qui sont institutions qui placent, que l'État place pour protéger. Donc malheureusement c'est ça, ça va faire comme ça, mais nous-mêmes au niveau de Barreau de Port-au-Prince et au niveau de la fédération, nous posons cette question ça, pourquoi une telle réaction, un tel comportement par rapport à un juge instructeur qui a un rôle spécifiquement et tracé par la loi, particulièrement dans le code d'instruction criminelle. Et là, regardez où est notre maconnée fantastique que déjà parlé de mon message qu'elle a lancé. Son message qui nous dégaine, qui expose tout le monde qui a responsabilité, tout le monde qui a lucidité, et tout le monde qui veut travailler pour changer la situation et libérer pour le haussement société, et particulièrement dans la justice, nous voyons qu'il y a des pour étirer la sécurité du pays. Donc, tout le monde exposé dans ce sens, et nous-mêmes, au niveau conseil, et particulièrement dans la justice, et nous voyons qu'ils ont décidé pour étirer la sécurité du pays. Donc, tout qu'on exposé dans ce sens, et nous-mêmes, au niveau conseil de l'ODLA, et même au niveau de la fédération, qui nous sauter et nous avons posé des questions qui ça nous va le faire, et comment nous le faire. Et nous avons envisagé ça comme si avocat nous gardons notre stratégie légale pour nous capables de dénoncer et contourner ce qu'a fait là. Soit, juge là, je suis contre la police, pour protéger les services, et nous trouvons ça. Et le regarder notre qualité ou bien façon que ils utilisent pour des armes politiques en sécurité tout ça et que ils décident de livrer le compte à lui-même et ça dérange un peu les bagages. Et soit nous parce que et soit nous pas dépendre de monde et soit nous pas dépendre de chef je le dis et soit nous dépendre de nous et nous particulièrement au niveau du bas au niveau au prince même si cette affaire a fait bruit tout ça bloqué dossier il y a un pire justice parce que ça veut dire que le ministre de la justice il n'a il a pipé mot, il va dire rien concernant ça, donc ça montre que les complices sont capables de ça. L'autre avec question la police, pour qu'il soit obligé, elle lui va faire, il y a 26 000 juges là et au prend des décisions, il va respecter les juges, ça montre qu'il y a exposé, et je l'ai parlé, c'est l'État concerné dans ça. Et l'État, c'est un tout, et au moins qu'il soit qui font écart, ça montre qu'il gagne tous les états. Elle expose tout le monde dans l'État. Donc, ça, son choix, son décision que l'on prend au niveau de l'État, le bloquer maintenant, le faire devant là. Et tout ça, c'est commencé déjà depuis le CSP. Et tout ça, il confirme le ministère de la Justice et avec la police. Vous écoutez, secrétaire général Barolot, avocat de l'oppression, maître Robinson Pierre-Louis, qui a réagi sur le dossier ça, dossier ZAM, il a retiré dans mes juges instructeurs, dans mes sécurités, le garanti sécurité, juge instructeur. Il y a un bâtiment d'avocat dans Gonaïve, maître Jacques Saint-Jacques, qui déclarait décision responsable au justice PNH d'apprend pour retirer ZAM dans mes agents de sécurité, juge d'enregistrement, si on bagaille, il y a au fin de comprendre. Dans le moment juge là, il y a un dossier important dans mes qui c'est dossier assassinat qui fait soumettre pour Fred Oval, côté il besoin plus sécurité pour capable mener enquête li au lieu de joindre yon assistance ou bien renforcement dans le travail c'est retirer y a retirer les armes sécurité li mais Jackson Jack déclaré ça veut dire en pile bagaille ça veut dire dossier ça pas intéressé yo encore pour patrouilleur d'avocat Gonaïve là sécurité juge d'enregistre vraiment menacé maître Jackson Jack. Bon, pour nous-mêmes, premièrement, nous pensons que c'est un bagage que nous ne pouvons pas comprendre. Parce que juge-là a un dossier aussi important même que la paix travaille sur lui. Juge-là a besoin de moyens pour qu'il soit capable de mener, instructionner. Il a besoin de CSPJ, de moyens logistiques
tout ce qu'il faut pour être capable de mener en bonne instruction. Au lieu de renforcer les moyens que nous avons, bon, nous apprendre à travers les réseaux sociaux, à travers les journaux, qu'ils ont retiré les armes de sécurité. Les armes de sécurité, ça veut dire un pile bagaille. Ça veut dire un pile bagaille. Ça veut dire que le dossier n'a pas intéressé encore. Ça veut dire qu'ils ont retiré, mais ils ont dit juge l'ensemble, je ne sais pas où ils ont continué. Ça veut dire un pile bagaille. Donc moi, je pense que pour qu'on finisse de tout bagaille, nous pouvons connaître qui ça qui motive l'action. Ça, qui ça qui dérange l'action ça, qui ça qui t'a poussé au monde dans un dossier un assassinat aussi criant, aussi avilissant, aussi crapuleux pour que on t'a montré que on banalisé le, ça c'est on banalisé dossier et on dit juge là son façon pour décourager juge là pour ne pas mener instruction à terre. Nous-mêmes nous posons peut-être nos questions perplexes jusqu'à présent nous pouvons connaître qui ça qui derrière motivation, qui motivation qui derrière monde qui t'a posé en action ça. La justice toujours banalisée, la justice toujours vassalisée par d'autres pouvoirs. Alors que et la justice, en principe, devrait être indépendante. La justice, donc, pas d'adouer dans une situation ça. Là, ça c'est plus vagabondage. Parce que, en réalité, donc, juge lui-même, il fait ça la loi, mandé de vous faire. Il voulait inviter au monde à travers le commissaire du gouvernement. Le commissaire du gouvernement a pour devoir, pour acheminer. Pardon, le juge-là, par devant, monde que vous invité. Je dis, en ces derniers jours, pour le juge, entendez, 8 monde que vous avez invité, sont seuls que vous avez je dis, en 21 juin. Est-ce que dossier, est-ce que nous croyons que vraiment, juge-là, a capable de continuer dossier ça, ou bien nous-mêmes? Même secrétaire général, fédération, que juge attendait, c'est pas parce que le commissaire a dévoyé invitation à aller. Non, c'est lui-même qui tendait invitation à travers la radio, et qui venait volontiers. Qui met les têtes privilégiées pour répondre à une question, la justice qui est capable de faire dossier avancer, la volonté qu'elle vient pour faire dossier avancer. Donc, moi, j'ai espéré tout que l'autre monde va faire le même bagage pour ne pas faire obstacle à la justice. Sinon, le commissaire gouvernement, ça, il constitue un obstacle à l'enquête là. OK? Parce que c'est lui-même qui gagne, qui dans la chaîne là, son maillon important dans la chaîne là, il doit faire la chaîne là fonctionner. Si lui-même n'est pas joué partition par là, en ben, chaîne n'est pas capable de fonctionner, il n'est pas capable de fonctionner, ça veut dire qu'il vient constituer un obstacle dans le système. Donc, pour nous-mêmes, donc, il est le temps pour que nous-mêmes en Haïti, pour nous, suspendre avec Jean des ajustements sérieux, pour nous pays d'abord, pour nous la justice d'abord, pour nous la loi d'abord, pour nous faire ça aller état du droit, et non, c'est un intérêt mesquin de clan. Donc, c'est dommage, c'est comme ça nous-mêmes de fonctionner, c'est ça que mettez-nous là à côté de nous aujourd'hui. Hein. Donc, c'est dommage, mettre mon frère Yedoval mourir en dans système là, comme professeur, comme monde comme ça, il joue un traitement ça, il n'est pas capable de justice. Avocat pas capable de jouer une justice sous tête, alors que aussi des défenseurs publics qui demandent de justice. Au scandale. Vous avez écouté, battu l'autre avocat Gouda Yvla, maître Jacques Saint-Jacques, qui a préagi sur dossier, juge d'enregistrement, sous mon parc, responsable Médado Amounio dans la ville Gouda Yves, maître Michel Dangil, qui fait qu'on a décidé logistique PNH apprend pour retirer les armes, nommé agent sécurité, juge d'enregistrement, qui a mené enquête sur le assassinat, qui fait soumettre mon frère de parlant, pas à doué inquiéter un qu'un monde. Maître Michel Dangil déclarait ses comportements, moun qui n'a pouvoir yo nan pays d'Haïti qui la cause arrivé. Le procès doit moun lundi, c'est un acte intimidation pour faire pression sur pouvoir judiciaire. Pendant les dix, c'est pas seulement juge qui concerné, c'est tout moun nan système là qui concerné par sa cap passé, jeudi, hein, contre juge ou un registre. C'est un bagay qui pas à doué étonner personne moun en d'un pays, hein, par rapport avec comportement moun nous gagnait qui n'a pouvoir dans le pays d'Haïti. Et ma parole des gens qui n'a pouvoir dans le pays d'Haïti, n'a pouvoir deux gros pouvoirs qui étaient debout, qui c'est pouvoir exécutif là, par un président, un gouvernement. Et ensuite, il y a un pouvoir judiciaire là, lui-même, qui même qui était jam au complet sans doute. Nous pas gagné parlement, nous pas parler de lui-même. Ça montre que nous avons l'État qui était chita sous trois roches différentes, comme nous avons l'État chita sous deux roches. Côté chaud, il y a la bien. Ça, nous devons comprendre dans ça, c'est un acte d'intimidation pour faire pression sur le pouvoir judiciaire là, lui-même en général. Il y a des gens qui ont pris ces juges-là, on est en droit de ne pas concerner, mais son juge, non. Automatiquement, on juge en dans l'État démocratique, les trouver dans la situation d'intimidation ou de pression. Eh bien, tout le juge net menace. Et monsieur, dame, qui n'ont pas le pouvoir judiciaire là, qui c'est un seul corps,
yo doué yo même réagir yo même depuis yo pas réagir eh bien yo même tout yo fait de yo moun qui complice dans silencio dans rend pouvoir judiciaire là devin inefficace devin pas opérationnel etc. Un dossier aussi sensible comme ça eh bien il va venir directement sur le juge en personne. Il a commencé à attaquer ce côté. Il a pourri baler des messages pour démoraliser. Et messages pour baler pour démoraliser. Là, il a tout voyé automatiquement par tout juge à la ronde badé. Mais là, doit jamais condamner ça. Et nous toujours à plaider l'illégalité en d'un pays à pousser la loi lui-même qui optimise des affaires. C'est la loi lui-même qui doit servir boussole. Pour tout le monde net, il y a un pouvoir, qui dans l'élection, qui est nommé la loi. L'ordre de la République, on a fait avec le droit. Pas un d'arbitraire, on doit faire que la loi pas bas ou et la loi pas d'accord avec elle. L'autre barre encore à l'angle, c'est que complicité, on a dénoncé tout à l'heure, les sorties en un même monde. Ou à saisir un juge a traité ton dossier, parce que juste ça n'est pas proche pouvoir, ou bien dossier a traité à ces deux dossiers qui concernent le pouvoir, ou un autre juge vient admis automatique. C'est ça, monsieur Hachon. Un autre juge vient admis tel autre juge. Parce que juste ça a un dossier sensible, c'est dossier pouvoir, ok? Eh bien, il vient de vous dire, vous allez vous juger lui-même, pour le cas, ça c'est le confortable lui-même comme juge. Et bien, on l'a juge lui-même servi, puis quand il a voulu. Est-ce que sécurité juge Jean-Renaud Régis a trouvé le menacé qu'on y a là, puisque l'agent sécurité lui n'a pas qu'un examen encore pour le protéger? C'est une attaque psychologique, son menace psychologique, son bagage pour faire peur qu'on y a lui-même, et pas lui-même seulement encore, non? Toute sécurité lui-même, il y a une situation extrêmement difficile. Doit mon n'a même, le droit personnel, doit priver ça mon n'a même, pour le défendre lui-même. C'est toutefois une grande attaque qui fait contre l'IA. Eh bien, il y a Violel. On a pouté mettre Michel Dorgil, qui est dans Meda Douamoun. Il y a mettre André Michel, qui est avocat, qui est porte-parole secteur démocratique dans tout, qui fait qu'on ait décision ça, qui prend pour être examen dans l'agent de sécurité, juge dans le registre, à commissaire gouvernement pour le président, mettre Bedford Claude, qui a refusé exécuter ordonnance juge instructeur, confirmé assassinat. Mettre mon frère de parlant, qui a un caractère politique là-dedans. Pour parler secteur démocratique et populaire, fait qu'on est, famille d'Orval, PAB, joindre justice, tout en PHTK, toujours dans tête pays. Maître André Michel. Le pouvoir politique, le gouvernement, l'a fait toute salle capable pour bloquer progression enquête sous assassinat bâtonnier d'Orval. D'ailleurs, juge d'instruction capin de CIA, son monde qui besoin pile sécurité, eh bien, policier qui a balle sécurité, yo, la police désarme, le prend armé. Deuxièmement, depuis environ un mois et demi, le juge d'instruction a émis des ordonnances de comparution pour une série de monde, mais comme toutes les ordonnances du juge d'instruction doivent être exécutées par le parquet a refusé d'exécuter les ordonnances. C'est-à-dire, lorsqu'on considère que vous désarmez les policiers qui ont juge la sécurité, lorsqu'on considère que le parquet qui a travaillé pour le gouvernement, qui sous instruction ministère de la justice, lui refuser signifier ordonnance juge d'instruction, hein, eh bien, il est clair que les politiques du pays ont appliqué la dame. Le barreau de Port-au-Prince doit constater ce blocage et les différents barreaux de la République, regroupés à travers la fédération des barreaux, il faut constater le blocage là. Le corps judiciaire doit se lever, ouais, pour faire débloquer le dossier. C'est le corps judiciaire dans son ensemble qui doit se lever. Nabdou Bataille a recommencé entre chef gang Tilapli avec Chris Lan dans la capitale pays en Port-au-Prince parce qu'il y en a Martislan hier lundi 21 juin 2021. Selon plusieurs informations qui rejoignent nous, situation a monté dans un seul coup après qu'un bandit qui a évolué dans la zone. Dans la bataille qui fait dans la zone, il y a 4 personnes qui perdent la vie. Parmi eux, il y a 2 bandits grand ravine qui veulent mourir et il y a plusieurs autres qui blessés dans l'affrontement qui a fait hier lundi 21 juin 2021.
d'ailleurs, toujours, selon information qui vient jeune nous, fait quoi que, depuis le bonheur matin, à y lundi, t'as gagné activité que ton tigeant paralysé, sous tronçon route qui menait dans zone Carrefour, qui a passé par Matissan à Contamara, parce que nous pas constaté aucune présence policière dans zone, non. Deux chefs gang, qui sont membres Genève en famille, continuent à bataille pour être capable de contrôler le territoire dans zone, non. C'est Matissan, c'est Bandio qui a affronté dans Badelma lui-même, c'est la police qui a bataille avec Bandi Genève en famille et alliés, qui est contrôlé par ancien policier Jim Jérisier, alias Barbecue. Dans ce sens, nous rappelons au président républicain Jovenel Moïse, dans l'intervention qu'il a fait dimanche passé, a démontré déception qu'il gagnait face à résultat. La Commission nationale des armements a créé une session, il croit que il n'est pas satisfait. Le président a fait appel à la communauté internationale hein, pour capable venir vidéo pour garantir la sécurité en dans le pays d'Haïti. Entre temps, la police a continué à compter cadavres après tout ce qu'a dit dans la radio, toute déclaration, ni directeur général, ni président républicain a fait sur question sécurité. Hein. Inspecteur police Emmanuel Silence Gentil, mouille assassiné vendredi soir passé à Akbal dans une torselle. D'après ça, grand frère Gentil Tessier, confirmé, gagné deux autres monde qui étaient accompagnés. Inspecteur police qui blessé en bas balle. Alors que Bandio même mettait zifé sous cadavre, inspecteur Silence Gentil et famille pas capable de rejoindre cadavre là jusqu'à présent. Tessier Gentil a fait déclaration ça yo dans micro la presse. Hier matin, moi informé que silencieux Yosli depuis vendredi dans la soirée. En ce moment, moi fait contact avec ses côtés que lui affecté comme assistant directrice service là. Je dis mouvement, silencieux était sous route, il t'a prendre un service à un monde que t'a mené dans la zone Idiwan, bandit ouvert cartouche sous yo. Je dis que était plusieurs dans bloc mon hôpital. Donc, yo sans nouvelle de lui-même. Ça t'a inquiété nous en plein rentré en contact avec madame lui et me décidé très rapidement d'entrer par au prince. Monsieur le directeur général et les membres de son cabinet, qui a gagné un commissaire supérieur immédiat silencieux. Moi, j'ai parlé avec eux, accompagné de madame silencieux, bien entendu. Et moi, j'ai demandé eux toute la vérité. Je dis moi que, effectivement, c'était après le mener doyen académien à l'hôpital qui pas bien tiré de demander le service, qui allait pas le service là, parce que silencieux, il était pendant plus de 15 ans. Il conservait de bons rapports avec mon cabinet académien. Je t'ai opéré, donc c'est cartouche que j'ai ouvert sur eux. On est à l'hôpital, et souvent, ils n'ont pas trouvé silencieux. C'est l'état point du machine, non? Donc, t'es gagné un riposte. Le livre, il dit, le point balle, il n'est pas capable encore, il t'a laissé. C'est ça que, bah, moins comme équation. Je dis, il y a une possibilité pour y retrouver tout ça. Bon, je dis, non, mais non, un peu. Il y a peine d'enquête, il y a peine de recherche. Mal trouvé d'autres versions. Que silencieux, mourir, depuis même côté, à bandit, point corps, à la vie, brûler lit. Donc, pas d'espoir pour nous capables de trouver, même corse, pour famille, non, capable de faire deuil. C'est vraiment dur, capable de dire à travers ensemble de voix que nous entendons 11 amis qui tirent les noms hier soir, pas quoi qu'un espoir, capable de trouver ce monsieur vivant. Direction générale est confirmée donc que monsieur prend balle. Et à Chine, nous capable de remplir l'impact du balle sur lui, vite crasé, et puis sans souche, c'est lui qui a conduit, sans secousse, nous pas qu'un espoir. Dernière rencontre qu'on a avec lui, c'est le jour du match contre Nicaragua. Il est allé dans la direction générale, il était bien en contact avec DG, il est retourné, il est passé, sans sportif, il est tout, le basket, collège pratique du Nord, lycée Philippe Guerrier, qui a fait une nominale, et puis Blue Star au Cap Haïtien, mais c'est qui remet du football, tout, qui fait que, monsieur, en tant que sportif, et puis frère, il était avec Grenadier autour, monsieur était passé pour le début du point, pour le saluer, mais bon, c'est juste ça que nous faisons dernière photo, Benjik qui fait photo, pour que nous sommes circulés, à mon, pas capable d'imaginer que c'est la dernière rencontre, non, le dernier cliché que nous avons gagné, pas capable d'imaginer ça. Donc, tout nous venons, qu'on allait, ou même, pas penser, c'est qu'on s'en tape dit qu'il faut un bon. N'empêche que nous vivons dans un pays qui a une sécurité généralisée là-dedans. On croit que, avant silencieux, d'autres policiers citoyens sont passés par là. Mais nous avons rien donné sur enquête là pour voir qui ça qu'il dit. Nous avons rien ça qui ça, le CPJ capable de dire non, qui vivait tellement silencieux. Et pour qui raison que non, pas qu'à trouver quoi. On peut nous dire, tout ce que nous voulons, c'est la vérité. Ils n'ont pas dit non ça, c'est à travers voice que nous attendons, des collègues et autres et des autres. On peut nous dire exactement. Voici, nous voulons qu'on est. Vous écoutez, Tessier Gentil, qui c'est grand frère, Emmanuel Silencieux Gentil, que bandit assassiné en bas coup de balle vendredi passé à, dans zone Torsel, dans la capitale pays, hein, Port-au-Prince. Dans le dossier sécurité, en toujours, responsable Médadoua Mounio, maître Michel Ogil fait connaître, déclaration président République, là, Jovenel Moïse fait dimanche passé, 20 juin 2021, pape changé en Kenaïen, augmentation phénomène insécurité, cap valé terrain en d'un pays, maître Michel Ogil déclaré, c'est délinquant, cap fait défendre d'un pays d'Haïti, côté débarqué,
yo attaquer bien ak vie population sans qu'il cassé responsable droit moun yo maître Michel Angel dit c'est parce que c'est un groupe moun qui incompétent qui dirige pays d'Haïti et qui confond gestion yon pays avec propre petit business pa yo. Maître Angel croit déclaration président républicain Jovenel Moïse vini en retard pendant li rete croit que bandi yo fin prend tout pays. Maître Michel Angel président une date déclaration là m'attendais, m'attendais, est-ce que son président a parlé ou son chef d'État? Et pour le président, nous sommes président. Et nous avons un problème, chef d'État. Et là, ce chef d'État, c'est comme si un bon père de famille qui a occupé sous toute bagaille qui vient à voir avec famille pour rendre famille en santé. Pourquoi le président a parlé? Il a parlé, ce qu'on n'est pas qu'il a parlé, et côté le pays, les bagailles là, à pété, les croisés bois, les quittés au pays, plongés dans l'insécurité, tête chargée. Depuis le fondement pays, il y a un pays d'Haïti pour jamais tomber dans la forme de sécurité dans la vie là. Nous venons chercher le système politique, plus que 30 ans, pays d'Haïti pour jamais connaître ce qu'on est là. Quand on voit, c'est délinquant, c'est vagabond, c'est bandit, qui a fait et défait. Gagné, en différence entre citoyens avec délinquants. Délinquants, faut gagner un service de prévention que la loi reconnaît. Dans le programme socio-gouvernement pour empêcher le pays à connaître des volumes de délinquants chaque jour à son ministère des Affaires sociales, au gouvernement de notre ministère, au ministère de l'Intérieur. Okay? C'est-à-dire que vous gagnez le service d'intelligence, vous gagnez la police, vous gagnez le palais national, okay? Vous gagnez le ministère de la Justice, okay? Vous gagnez le ministère de la Défense. C'est-à-dire nous charger qu'on locaux avec le ministère. Mais le problème, non? Son groupe nègre qui est compétent, qui n'a pas de notion de chef d'État, homme d'État, à tous les niveaux d'un pays, qui confond gestion pays avec propre business paille. Et dans ce cas-là, il n'y a pas pays, même business paille, pas besoin de gérer le pays, d'accord, business fait faillite. OK? Qui donc, déclaration, président, c'est de fait, qui a supposé aller sous même ligne, et pour démanteler toute action criminelle qu'il y a dans un pays, il est de fait depuis la première action criminelle qui était faite là. Pour le bah, le temps pour ça pas jamais reproduit dans tout moment le président il t'a même souhaité pour n'importe président qui a venu pour ça pas jamais arriver en dans pays d'Haïti c'est criminalité mon appel dans pays mon bande a tiré mon bande a mangé et policier vient pas n'importe cette importance devant bandit parce que on va être bandit qui c'est chéri mon qui n'a pouvoir qui donc vie policier vient pas rien on grain mon qui mourit. Nos conditions, nos pays là, t'es doué interpeller tout l'État en général, t'es de camper comme un seul homme, pour empêcher ça et d'écraser ce, ça, ce criminel là, avant de caler, pour la pousser, on paquet de ce criminel là, c'est craser les binaniches. Et là, on a pays, c'est pays, il est, et l'on a dirigé pour tout le monde. Des fois, c'est eux-mêmes même qui font sacrifice, même, pour bailler satisfaction. Parce qu'on même pour qu'on t'a qu'à mettre au pouvoir. On a l'élection, ou dit, mais ça va le faire. D'accord, il y a bon pouvoir. Vous devez prouver respect ou gagner pour le monde qui fait sacrifice avant de faire qui mourir pour faire payer ça arrêter en vie. Vous devez respecter le monde qui vient de venir. Vous devez travailler pour le monde qui vient. C'est donc une déclaration. Eh bien, son déclaration. Et au président, mais c'est bon, déclaration chef d'État. Le président peut s'appeler un paquet de bagages, la balle, ou sentir. Mais son monde qui président, pas qu'on a rien, qui a le pays à prendre, mais d'accord, qui ça vous le faire pour le ranger pays, pour la sécurité. Et là, ça arrive là. Vous écoutez, M. Michel Angel, M. Douamoun, nous voilà dans la Tibonite là, nous voilà côté collaborateur, nous, 1100 Madeus, qui dit nous, un pile jardin ravagé, un pile cas écrasé, dans la nuit dimanche pour l'ouvrir, lundi 21 juin 2021. Ça claque comme ça, c'est gros vent à claque, lui, qui passait sous cité Nissan Sagéa dans la ville de Saint-Marc. Victime, yo, déploré, ça que passait, yo, dans la nuit dimanche pour l'ouvrir, lundi 21 juin 2021, parce que, yo dit, yo, pourquoi j'aime moi, qui côté, y apprend pour sortir en bas situation, yo, je veux dire. Mr. Madeus, à bas nos reportages. Citoyens qui vivent dans plusieurs quartiers, à la section communale Ville Saint-Marc, trouvent dans grosses difficultés à cause vent et la pluie qui envahit à soir dimanche pour l'ouvrir lundi 21 juin 2021. Moun qui vivent dans Blocos, Kafouma dans Senta, Kafouma dans Montillas, pour citer ça seulement, passe mauvais moment, dans le dimanche là, mettez à tol kay, jade paysan yo, va mettre à terre. Le gars de ouais, on est qui intellectuel, qui fait école à l'école. Même moun qui va qu'on lia, dit l'a démissionné, la t'es pas bail. Ou même on choisit, ouais, son, c'est important pour le travail. Imagine, au fond, j'ai des bananes, qui pour utile, population, hein, ou même tête par les petits tout. Le gars de ouais, non, clin d'œil.
Horizon Vivant, 10 à 15 minutes, j'ai en tombé et pour même récolter ou perdu. Actuellement, m'a demandé qui est-ce qui a pensé avec moi qui pouvait me soutenir parce que je n'ai pas l'autre espoir encore. Donc ça là, je me sens capable de la boire comme pas crier, qui fait que je résiste toujours. En termes de perte, nous fait là, nous avons évalué 20 à 30 000 dollars. Parce que y a un jardin qui prend presque 100 à 150 douzaines de bananes sont gros jardins. Ouais, imaginez, c'est moun la bédé, nous les têtes, nous les démoun tout, parce qu'il n'a pas de gouvernement, parce que c'est lui qui mettait doué bay moun assistance pour manger. Je vous dis à le perdu. Est-ce que l'État voulait je garder, sous nous, et que les paysans pour nous continuer de travailler encore, pour nous garder plus fort encore, pour nous continuer de travailler? Moi-même, t'es venu, m'te pensé, m'te gagner quelques périodes, l'aime venu, moi, j'ai déjà tombé plat à terre, pas gagner un recours. Et m'te dehors, l'aime venu, et non, en 15 à 20 minutes, elle ne paraît nous vent, et craser tête qu'elle là, et moi-même, avec madame, moi, avec l'autre seul, et qui gagne des petits bébés dans le cas là, je suis vraiment étonné et chercher étoile lieu nous parler. On est assez non et recherche nous pour le faire là pour nous voir comment nous arranger le cas là parce que nous allons quitter le cas là. Mounsayo qui l'a gagné des bras balancés, mandé tête yo, qui ça va le faire pour yo ka continuer à vivre puisque selon ça, en pile là, yo dit, tout ça a été possédé à aller, non seulement quelques minutes, mettez sous coronavirus là, comme ça qu'a géo. Merci Madeus, on a toujours été dans la Tibonite là pour nous gros la pluie ak vent qui est tombé dans ville Saint-Marc dimanche 20 juin 2021, il y a une gros conséquence sur ville Saint-Marc, particulièrement dans zone blocos côté plusieurs zones levées en bas de l'eau, fatra ak labou, pied bois arraché, tôle volée, fil courant cassé, tombé à terre. Ancien candidat pour poste sénateur la Tibonite là, Dominique Saint-Fleur en babanière OPL, la responsabilité ça sous dos direction travaux publics transport communication qui pas fait aucun travail pour faciliter de l'eau aller tomber dans la mer sans difficulté dans la cité ni ça exagère. Dominique Saint-Fleur t'a parlé dans micro collaborateur nous Milson Madeus. Comment ouais ça n'a vivre dans zone blocos et pas seulement blocos comme on se dit d'ailleurs au point Carrefour Madame Sainte et tant d'autres côtés dans Saint-Marc. Donc son bagage qui est terrible surtout dans blocos ou après devant porte camion là pour rentrer là moi crois que c'est dans la boue mettez pio. Parce que pas de moyen pour rentrer sans pion passant. L'op garde parking côté pour machine rentrer, les condamnés monter les blocs et ceci ça gagne pas 3 ans. Machine pas arrêter dans parking. Son l'autre côté metel parce que ou pas qu'à fonctionner avec parking genre situation est là. Et ceci à chaque fois gagne on l'appelle qui tombe zone li inondé li éliminé et la boue fatra parce que ouais que son zone qui en bas et en l'air maintenant tout ça yo jeté en l'air maintenant li glissé et descend et en aval côté que le chita surtout exactement en Guya et à peu près peut-être en 500 mètres de distance mais maintenant son route qui fait ça gagne à peu près 9 ans. C'était sous avec Estrella, compagnie Estrella, et c'était sous magistrat Jean Oni avec député Altès. Bon, c'est Yopte Raché Coupé qui entend avec Estrella, qui fait route là, Jean que l'y fait là, sans une canalisation adéquate qui pour permettre un écoulement est suffisant pour ne pas tomber dans le problème ça. Donc, son situation n'a vivre, ça gagne à peu près 8 ans. Et chaque la pluie pourrait tomber, les pluies, tout le monde dans la zone a mis deux mains dans la tête parce qu'on connaît à qui ça pour la paix. Et le gars des murs, ça mettait devant le garage là. Et quel que soit où on mettait, il faut mettre la hauteur suffisante. Parce que quel que soit où on mettait, le droit qu'on donne moyen de monter dans la tête, il rentre dans le caillou. Et là, il rentre 3 fois déjà dans le caillou. Donc ça fait que ouais, nous monter mieux ça, hauteur ça, pour empêcher de l'eau rentrer là-dedans. Ça, là, nous avons parlé, nous disons que tu as un Yaya qui est venu pour débattre nos supports, mais Yaya pas de travail. Qui compte qui fait Yaya pas de travail? Bon, et ça vient à peu près mois et demi. Et TPTC pas répondre pour battre nos coups de main. Et parfois, nous connaissons les directeurs régionaux là. Parfois, elle dit pas gagne un camion. Parfois, elle pas gagne gaz. Parfois, elle a vini, elle pas qu'à vini. Donc, y a lui-même, t'es jugé nécessaire à travers structure, privée, et un jour, il a débarqué avec des camions, avec l'odeur. Et, dans un jour,
yo censé déblayer zone là et qui pour banon on souffre. Et à mon grand étonnement, m'pat là, m'était sorti. Donc yo dit moi d'après ça yo rapporté parce que m'pat présent, yo dit que nèg TPTC au débarqué pour yo bloquer Yaya. Parce que yo dit que Yaya des prend visibilité. Donc moi bien content m'pat là parce que si m'était là et m'ta demandé nèg TPTC qui ça yo réglé. Donc maintenant ou pas ka faire en compagnie privée. Vini pour baron côte main et de ce fait dans semaine là on va contacter Kaya encore pour moi sur cap banon côte main et m'a campé là le ça pour que TPTC vienne bloquer donc maintenant et me croyer Kaya ta gantan atterri encore oui déjà c'est parce que pression yo té prendre avec TPTC pile gravier pile terre pile sable semblé d'après ça rapporté les TPTC gars yo na oui encore montrer que maintenant, c'est yo même qui pour faire le travail là. Pendant ce temps, yo pas fait, yo pas qu'à faire. Ou la poutée Dominique Saint-Fleur, un micro-collaborateur, nous sommes Madeus, nous voilà dans le sud pays, hein, pour une question de gaz, nous ne pas capable de faire dans la station d'essence, pour des gros problèmes tout partout dans le pays d'Haïti, dans la même situation que dans le sud, là. Maintenant, c'est ça, il y a une direction ministère de commerce, dans le département sud, là, il y a un paquet Okaï avec la police qui réalise une opération saisie gaz à vérifier pompe dans la ville Okaï. Dimanche 20 juin 2021, dans l'idée pour mettre bout dans le marché noir qu'a fait, dans le vent de gaz sous marché informel. Une opération qui pas fait certains propriétaires pour pas plaisir du tout, d'après ça, Rosebert Adenestan, qui se correspondant à Radio Pyramide, a fait nous connaître. En côté. C'est une opération qui visait vérifier si pompiers dans la ville au Kay pas gain gaz tout bon vrai, à contrôler gaz cap vente tête nègre sous marché informel là. Chef paquet au Kay là, après vérification dans pompiers, ordonné tout ça qui gain gaz pour continuer servir population pendant annoncer dans prochaine opération yo il a obligé mettre en état tout monde qui a fait réticence yo ça gain gaz nous ordonné au bail gaz tout de suite là pour là comme tout fait ça en là Simon et nous là nous bon diète là il a fait ça là tout parce que là gain gaz et puis on connaît que gaz là pas dans la rue hein, parce que gaz là son produit inflammable n'importe étincelle capable exploser ville là donc nous sommes toujours alerté pour ne pas vendre gaz dans la rue. Et la mairie, le ministère de commerce, la justice procédé à saisir de plusieurs doum gaz dans pile caille et dans la rue. Nous sommes devenus à continuer l'opération toujours. Et cette fois-ci, nous avons obligé d'arrêter les pompiers, nous avons arrêté le directeur pompier, nous avons arrêté l'administrateur pompier. Parce que c'est eux-mêmes qui vendent gaz par les gens qui sont dans la rue. Un jour après l'opération, Joseph Maxon Esteve, un propriétaire pompe dans la ville au Kay, dans le cadre de la conférence lui-même, dénoncé l'autorité, lui dit qu'il fait gros actes intimidation sous lui avec tout employé pour forcer au bail gaz. Homme d'affaires qui expliquait que c'est seulement 600 gallons gaz qui sont disponibles dans le système ni fait connaître ces problèmes matissants qui fait pas capable d'approvisionner. Donc, vini dans le problème là et a forcé nous pour que nous faire ça, pour nous faire ça sur la roche. Pendant ce temps, nous-mêmes, nous avons volé de bon bail gaz. Nous voulons bail gaz. Port-au-Prince, Barimbo, c'est que le meilleur travail que vous avez fait, c'est débloquer la rue, mettre la paix pour que les machines soient capables de circuler pour aller prendre gaz pour nous capables de servir. N'ap souliye pa ke okay ak la police arrête yon pompis nan yon pompe Kafourel nan mitan villa à cause li te continue à vendre gaz nan galon bay moun. Depuis ville okay département sud Rosebert Adenestan Radio Pyramide. Ki pi konprann k ap domine aktualite nan journal la. Juge Renaud Régis, qui est juge instructeur, qui a enquêté sur le dossier assassinat qui est fait sous maître Montferré d'Oval, en date 28 août 2020, la Cali dans Pèlerin 5, tout le président de la République, dans Jovenel Moïse. Juge Renaud Régis, gros maître, by direction logistique, police nationale là, ZAM, qui t'est nommé pour sécurité, après que direction logistique, police nationale, pays d'Haïti, t'est exigé le juge instructeur pour le maître PNH, là. Zamna, j'en demande ça, et l'écrit en lettre, ben, CSPJ, pour informer de situation, ça. Après direction logistique police nationale, là, fin des amis agents sécurité juge instructeur, Renan Rogitio, décision, ça, t'es prend, sous l'ordre directeur général PNH, là, Léon Charles, d'après responsable ANAMA, qui est l'association nationale magistrat haïtien,
qui dénonçait décision direction logistique. Conseil d'avocat pour nos pressions, beaucoup de personnes ont protesté contre désarmement à agent sécurité jugé dans registre. Maître Besson Pierre lui exprimait tête chargée au gagné face à décision, ça qui sortit beaucoup de police nationale. Pour battre l'autre avocat, on a un naïve, maître Jacques Saint-Jacques, décision ça, décision responsable logistique PNH apprend pour retirer les armes dans mes agents sécurité dans registre. Si on bagaille, il n'y a pas fini de comprendre du tout, alors que le juge a mené enquête sur dossier important pour faire avancer le système judiciaire dans le pays d'Haïti, particulièrement sous assassinat maître Monfrey Doval. Responsable de la Mounio dans la ville Gonaïve, maître Michel Dorville, fait qu'on ait décision, ça, que direction logistique prend pour être examen, non, mais agent sécurité, juge dans le registre, après enquête sur dossier, assassinat maître Monfrey Doval, pas à doué inquiéter en quel monde, l'air considéré comportement que l'État haïtien gagne dans le dossier ça, et si en façon pour intimider juge là sous enquête l'affaire. Pour vous parler, M. André Michel fait qu'on est, décision ça, qui prend là pour retirer les âmes, non, non, mais agent sécurité juge dans le registre, avec le commissaire gouvernement de président, M. Bedford Claude, qui refuse d'exécuter ordonnance juge là, confirmé à clé que les assassinats, M. Monfrey Doval, gagne un caractère politique là-dedans. Dossier inondation dans Balatibonite, particulièrement dans la ville de Saint-Marc, grand pile jardin qui ravagé à cas écrasé dans le dimanche pour l'ouvrir lundi 21 février 2021 à cause gros vent à la pluie qui est tombé sous cité Nissa et Sagéa dans la ville de Saint-Marc. Dossier insécurité, Badi Axam, vous continuez à affronter dans Martissan à Fontamara, côté qui a plus passé 4 monde qui perdent la vie, là-dedans, il y a 2 bandits, Grand Ravine, eux-mêmes, qui mourent dans cette bataille qu'a faite pour contrôler le territoire Fontamara avec Martissan. Dossier sécurité toujours responsable d'Adoua Mounio dans la ville Gonaïve, maître Michel Dongil fait connaître, déclaration président de la République, Jovenel Moïse fait dimanche passé, hein, pas changer un yen dans l'augmentation phénomène insécurité dans le pays d'Haïti. Maître Michel Dongil déclaré, c'est délinquant, qu'a fait et défait un pays, hein, côté attaqué bien à la population, hein, sans qu'elle saute. Voilà. Et merci avec tout le monde qui était branché. Écoutez, qu'a attendu des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier vous abonner avec la chaîne, hein. Et toujours songez pour activer cette cloche là. Les nous lagon vidéo pour capable de jouer nous. Son babé zap chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin, bon matinée.